Bonjour la Scraposphère, c'est Scrapsody. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de la nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année et surtout une bonne santé. Quoi de plus naturel pour commencer cette nouvelle année que de faire une carte de vœux? Pour réaliser cette carte, il vous faudra un papier blanc au format A5 que vous allez plier en deux, un cadre doré au format A6 que j'ai évidé afin de pouvoir y faire mes découpes, un morceau de cardstock noir de 14,5 cm par 10,2 cm. Une bande de papier brouillon de 4 cm de large. Un feutre Posca pointe fine dorée et un spray Finish Easing Or. Et pour finir, un morceau de sopalin qui va me servir à essuyer ma règle. Pour commencer, nous allons prendre le cardstock noir qui fait 14,5 cm par 10,2 cm et le brouillon de 4 cm d'épaisseur. Nous allons placer notre feuille de brouillon au milieu du cardstock. Donc pour ce faire, vous mettez deux morceaux de masking tape au dos du cardstock. Et pour vous aider, vous placez votre cardstock aligné avec votre tapis de coupe afin de positionner comme il faut le papier de 4 cm d'épaisseur. Nous allons travailler le fond de la carte avec le spray Easing et je vous montre comment je réalise cette étape. Et voilà ce que cela donne une fois que c'est sec et que nous avons retiré le cache de 4 cm d'épaisseur. Avec le Posca, nous allons tirer deux traits afin de démarquer les espaces entre les fonds que l'on vient de réaliser et le centre de la carte qui est vierge pour le moment.
Dans le cadre que j'avais évité et mis de côté, j'ai découpé mes chiffres et donc le 2, je l'ai découpé deux fois dans le normal, 1-0, et puis le troisième 2, je l'ai retourné pour que ça me fasse en fait un effet miroir et une impression de cœur quand ils sont accolés. J'ai rencontré un petit problème d'enregistrement sur la fin de la vidéo, mais rien de très compliqué. Une fois que vous avez collé vos chiffres, il n'y a plus qu'à coller la base de cardstock noir sur le cadre jaune, puis l'ensemble sur la carte blanche. La première vidéo de l'année est bientôt terminée. Je vous laisse découvrir les résultats finaux. Tiens, j'en profite pour vous poser une question. Laquelle des quatre cartes préférez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater et vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans la description les liens vers mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie d'être là encore une fois cette année. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Scrabbies à tous. Ciao, ciao !